Conçu en 1974 et toujours en activité, l'EMU est la combinaison spatiale que les astronautes utilisent encore à bord de la Station spatiale internationale. Le court mais intense programme Gemini permet à la NASA de lancer d'innovantes manœuvres de rendez-vous spatial dont elle a besoin pour ses missions lunaires à venir. En 1963, le programme Mercury a déjà exploité toutes les possibilités offertes par ces technologies. Ces trois dernières missions sont annulées pour que la NASA puisse concentrer ses efforts sur un nouveau programme et développer de nouvelles technologies qui permettront d'atteindre la Lune. Avant de s'embarquer comme prévu dans le programme de vol habité Apollo, la NASA a besoin d'un programme intermédiaire pour maîtriser le rendez-vous spatial et les techniques d'amarrage. C'est le programme Gemini. Sous bien des aspects, la capsule de ce nouveau programme est encore plus avancée que celle du futur programme Apollo. Elle est conçue pour abriter un équipage de 2 personnes. Comme Gus Grissom, astronaute du programme Mercury, a joué un rôle majeur dans son développement, les astronautes la surnomment la Gus Mobile.